vous avez rencontré le chef de la ville. Comment est-ce que se passent les consultations puisque c'est une première? Bon, écoutez, lorsque nous avons reçu l'invitation, tout de suite on a pensé qu'il s'agissait. Alors, c'est la main de qui ça? Puisqu'il n'y avait pas d'heure du jour ni de programme. Mais la rencontre a permis aux différents participants, à beaucoup d'entre eux, de s'exprimer. Après avoir écouté le président du CNR, dans son discours, il a dit qu'il souhaitait avoir la contribution de tous les acteurs politiques dans la construction de cette transition, dans la définition de ces termes, de ces missions et de ces termes. Beaucoup de chances sont exprimées. Je pense qu'on va retourner dans nos états-majors et dans nos alliances respectives pour essayer de formuler par écrit notre vision, nos propositions que nous allons soumettre au niveau d'apprendre que personne ne sera exclu. Les propositions qui seront faites dans la mesure où restent cohérentes avec les intérêts supérieurs de la nation seront prises en compte. Donc nous allons au niveau de la NAF, je suis le président, nous retrouver avec d'autres coalitions qui le souhaitent pour essayer de voir si on peut harmoniser nos positions par rapport justement à ces propositions qui sont particulièrement nécessaires à l'attention de ces énergies.